Top squad. Fils, rentre pas. Son daron tape dans le bâtiment, lui il est dans le bas. Les gens lui disent c'est un Djiban, il prend des clans. Salut tout le monde, c'est Azrox, donc on se retrouve sur GTA 5 Online en 1.34 pour un tout nouveau glitch de tenue. Donc vous allez devoir vous procurer une tenue avec le torse invisible, puis aller dans Chino, donc dans les pantalons, et choisir un Chino bah, comme vous voulez, mais de préférence un Chino étoilé. Après vous allez vous rendre dans les chaussures, puis aller dans bottes, et puis prendre les mêmes bottes que moi, donc les bottes bleues, donc les chaussures bateau bleues. Donc ça va aller très bien avec le pantalon à étoile. Une fois que vous aurez fait ça, vous irez dans inventaire, allez, vous irez dans parachute, puis vous prendrez le sac harnais USA. Donc faut bien prendre le sac harnais USA pour donner le côté américain, puis après vous mettrez ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve pour la suite du glitch. Donc pour la deuxième étape, vous allez devoir vous rendre dans l'appartement et aller dans inventaire, accessoires, et prendre un masque du DLC. Donc moi je vais prendre le masque de l'aigle blanc. Une fois que vous avez pris l'aigle blanc, vous allez faire le bug du télescope. Donc vous allez courir vers votre télescope, faire la flèche de droite et ça va vous faire bugger. Donc là vous allez aller dans inventaire, puis mettre un chapeau ou des lunettes comme vous voulez. De préférence là pour ce glitch, mettre un chapeau si vous voulez avoir la même tenue que moi. Donc avec le chapeau, je vais prendre le serre-tête à étoile américain. Donc je sais plus vraiment son nom, mais voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez enregistrer la tenue. Et une fois que vous avez enregistré la tenue, on se retrouve pour la troisième étape. Donc pour la troisième étape, vous allez devoir vous rendre dans un magasin de vêtements et choisir tenue de vol. Une fois que vous avez choisi la tenue de vol, vous prendrez la tenue de vol noire. Et on se retrouve au club pour la quatrième étape. Donc pour la quatrième étape, vous allez devoir vous rendre au club avec la tenue de vol noire. Et vous allez faire le même glitch que mon ancien glitch de tenue. Donc vous allez devoir mettre la tenue qu'on a faite ensemble, puis sortir du club et ça va vous mettre le tuyau de la tenue de vol. Donc le glitch est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis, bye tout le monde.